Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment je range mes couteaux chez moi. Donc voilà, je me suis fait une petite table. Donc, j'ai fait deux rangements différents. On va commencer par celui-là. Donc là, c'est des petites équerres. Voilà, avec là, c'est du bambou. Tac. Comme ça, je peux ranger mes couteaux comme ça, les plus lourds. Comme ça, ils tomberont pas au moins. Et au-dessus, j'ai fait avec du plexi. Donc j'ai coupé et collé du plexi, voilà, sur une planche. Ça va très bien pour les mettre et comme ça, au moins, on voit la lame bien comme il faut. Voilà, couteau de cuisine, couteau bushcraft, couteau viking. Ils sont tous à vendre sur mon site. Voilà, celui-là, c'est le grand que j'ai fait, 32 cm de lame. Voilà, je vais le mettre ici pour l'instant. Et donc, pour les transporter, j'investis dans une petite mallette, voilà, tac, avec de la mousse qui va bien. Et comme ça, je peux ranger mes couteaux, par exemple. Soit comme ça, tout simplement en les posant dessus, si j'en ai plusieurs, je les mets comme ça. Sinon, je peux les rentrer dedans carrément, parce que c'est assez profond par rapport à ma main. Voilà, donc après je peux les mettre comme ça et en mettre d'autres par-dessus. Voilà, donc ça c'est pratique, si ça peut vous aider pour transporter des couteaux, les montrer à des amis, ou même par exemple des pistolets, ou ceux qui font de l'airsoft. Voilà. Donc celui-là, il est hermétique, il prend pas l'eau, anti-choc, ils ont vraiment fait du bon boulot. Ça coûte une trentaine d'euros à peu près. Voilà, ça se dévisse, c'est pour l'air. Et voilà, donc c'est assez pratique. Si ça peut vous aider, c'est cool. Donc voilà, c'était une petite vidéo, vraiment vite fait. Voilà. Si ça vous intéresse, allez voir à cette adresse. Allez, merci, au revoir.